Les amis, c'est l'heure de tourner le troisième épisode de La Piste Rain Before the Storm. J'espère que vous êtes prêts. Dites-moi que vous êtes prêts. Oui, on est prêts. Vas-y, lance l'épisode. Eh ben, si vous le dites. Plus sérieusement, je vous remercie énormément pour les retours que vous m'avez donnés lors des deux premiers épisodes. Vous avez été énormément à liker, énormément à commenter et ça fait super plaisir. Ça me donne encore plus envie de découvrir l'aventure de La Piste Rain Before the Storm avec vous. Si jamais le let's play vous plaît toujours, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ça prend pas beaucoup de temps et ça aide énormément le let's play. Je compte sur vous, les amis. Et nous, on reprend. On en était du coup devant la porte de l'école. Normalement, on doit aller à la classe de chimie. Donc, est-ce qu'elle va vraiment y aller? C'est une très bonne question. On va voir ça tout de suite. Let's go! Oh! Mais c'est Rachel! You're here. Est-ce qu'elle participe du coup à la pièce de théâtre? Parce que le genre, cette tenue, ça faisait carrément théâtre. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle s'habille comme ça. Du coup, est-ce que c'est ça? C'est clairement ça! Chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Ou alors c'est elle? Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good, admired Miranda, indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time have listened. Many a time, the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. Ouais, elle est super jolie, elle est super mignonne. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. Non, me demande pas. We need a fresh perspective. Tu vas me demander. Qu'est-ce que tu vas me demander? The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or... Has she actually just met the love of her life? What do you think? J'en sais rien, j'ai même pas compris la question. Arrêtez de me regarder tous comme ça, je sais pas. Le style de Chloé, elle dirait plus Miranda est une idiote. Miranda's an idiot because falling in love is stupid. What is she? 12? Très bien. Actually, she's about 15. So your point, whoever you are, about being an idiot or being naive, is well taken. Thanks, Mr. Keaton. Mouse. Later. See you later, guys. Oh no, I have first period improv with a class full of freshmen now. Ah, j'aurais peut-être dû dire l'autre truc. Je sais pas. Mais moi, j'en savais rien. Alors, va falloir qu'on en parle, Rachel. I'll just be a minute. Okay. So. Why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah. Sure. Franchement, Rachel, c'est pas loin de devenir un de mes personnages préférés. Okay. Je la trouve trop cool. Get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable. Ça devrait être faisable. Franchement, carrément. On va peut-être regarder l'ordi juste avant. Internet or not to internet. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. La fameuse photo. Why do theater kids take themselves so seriously? Ok, ça c'est donc la pièce de théâtre avec Rachel Amber qui est Prospera. Récemment arrivée à l'Académie Blackwell, Rachel Amber a ému son public aux larmes lors de son audition grâce à son interprétation de Blanche tirée de l'œuvre de Tennessee Williams. D'accord. Et Nathan Prescott et Caliban? Nathan, il faisait partie du club de théâtre, mais what the fuck, mais ça devient de plus en plus bizarre. Qu'est-ce qui se passe avec Nathan? Mais Nathan, c'était vraiment un mec super modèle avant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pète un plomb comme ça? Ici, on a Dana qui joue Miranda, Hayden qui joue Ferdinand, Juliette qui joue Ariel, Travis Keaton qui est du coup le directeur. Et on a, donc en fait, c'est vraiment toute l'équipe de la pièce de théâtre Tempête. Ok, du coup, on a quoi? Bon, le poids crayon, on s'en fout un peu. Ok, très bien. Et du coup, la petite ceinture de Rachel qui est là. Rachel looks so happy here.
Est-ce que elle aussi elle aurait perdu un de ses proches? Est-ce qu'elle aurait perdu son père ou sa mère? Parce qu'il n'y a pas les deux parents, ça me paraît bizarre. There's Rachel's belt. La fameuse. Ok, on y va. Guess I'll go give this to Rachel now. C'est génial, mais regardez-moi ça, il y a une épée, il y a un balai de sorcier et tout, et c'est génial, sérieux. Times are hard for elite private high schools. Évidemment. Et du coup, les accessoires? If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. Oui, bah oui, j'imagine bien. Ok, allez, on y va. Où est-ce que tu es, Rachel? Où est-ce que tu es? Ici, on peut regarder les costumes. Must be 100 costumes in here. Am I the only student? Rachel, is this your belt? Yes. Thank you. Apporter à Rachel, envoyer la ceinture. Bah, je vais lui apporter. Genre, elle a l'air tellement hésitante. Et Chloé, elle est dans le mal en vrai. Ton costume était sympa, ne rien dire. Ton costume était sympa. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? Je te suis redevable que la ceinture. Je te suis redevable. I guess I owe you. I'll hold you to that. Chloé, elle est toute timide. I'll let you finish changing now. Elle était rapide, hein? Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. Firewalk était pas mal, c'était génial l'agression. Non, Firewalk, bien entendu. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Waouh, mais elle est trop mignonne, mais c'est trop mignon parce que leur relation, elle est particulière, genre vraiment, elles sont les complètes opposées, et Chloé, elle est toute timide, alors que d'habitude, elle est super sûre d'elle et tout, enfin, c'est vraiment super bizarre, c'est profond. Is that a rhetorical question? How would you like to join me on a little field trip? Rachel Amber séché? Ditch class. You mean it? Is that weird? No, it's awesome. Ouais. Let's get the hell out of here. Oh, fait trop la tug. Oh, j'aime beaucoup Rachel. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Dites-moi ça en commentaire. Mais j'adore le personnage de Rachel. Et ça fait tellement plaisir de voir enfin à quoi elle ressemble, comment elle était vraiment. Bon, après, quand on sait comment elle va terminer, ça fait vraiment mal au cœur. La vérité, ça fait vraiment mal au cœur. Mais bon. Ah ah. You sure you don't want to just grab the bus or. Nope. If we're gonna go rogue, we're doing it right. Le fameux chemin de fer. Well, what the hell am I getting into here? C'est ça quoi? Allez, vite. Where does this thing go? North? Maybe we'll end up in Seattle. Pull up a chair, Price. The view's amazing. Alors, Elliot, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Salut, pourquoi t'étais pas en chimie? Tout va bien? Et moi, je vais dire, wep. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec Drew? Pareil que t'étais au top. Yo, on en parle plus tard. Ok. C'est tout? Tu me déranges pour ça, Elliot? Ok, très très bien. On a quoi? On a également maman. C'était sarcastique, nous on avait déjà vu. Et Steph qui disait. Donc elle nous prévenait qu'elle était sur les tables avec Mickey. D'accord, d'accord. Mickey ou Mikey. Techniquement c'est Mikey, mais je vais continuer à l'appeler Mickey. Et du coup voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des symboles, ok. Guess we're not the first ones to hop on this train. I wonder what the symbols mean. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir ici? Une caisse déplacée. Things heavier than it looks. Ok, y'a un truc derrière ou pas? Ah, je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Humans, but no humanity.
Everybody is somebody, but no one wants to be themselves. Some preachy graffiti up in this train. Ils sont profonds, les tags de ce train. Oh, tagué. Y'a personne, hein. Arrête de regarder autour de toi, y'a personne dans ce wagon. Qu'est-ce que je peux écrire? Nous sommes des monstres, tout le monde ment. T'es joyeuse, Chloé. Nous sommes des monstres, tout le monde ment. On va dire tout le monde ment. Parce que nous sommes des monstres. Peut-être pas non plus. Everybody lies. I like that. Voilà. Voilà, t'es contente, t'as fait ton petit tag. Donc tu vas taguer absolument tout ce que tu trouves. Là, on a des livres. I was supposed to read Huck Finn in English last year. Now, I'm living it. Price 1. Twain 0. OK. Et je crois que on a tout vu peut-être là-bas, mais je pense pas. On s'en fiche, cargaison, on peut toujours regarder. Ouais, je pense un ou deux même, hein. Et du coup, on va pouvoir s'asseoir. Allez, hop. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel freaking Amber. Elle est super stressée. Play it cool. C'est ouf. Is this nervousness? Is that what this feeling is? Wish Max were here so I could ask. C'est trop mignon. Ouais, should I make c'est small talk? Is that what people do? Alors regardez comment ça va être un petit peu flippant à un moment. Donc, peut-être commencer à parler, ouais, belle journée, ne rien dire. Franchement, belle journée ou eux. Franchement, autant ne rien dire quoi, je sais pas, on va quand même dire eux. On va tenter. What is wrong with you? What? You're acting nervous. Elle est nerveuse, hein, elle est très nerveuse. So, it's kind of weird that we're hanging out. You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend. Singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. That sucks. Monsieur Keaton n'a rien à dire, remercier. Remercier. Hey, so I want to say thanks for pulling you out of school. No, dummy. Thanks for last night. C'est moi qui commence à prendre la confiance. Elle commence. If you hadn't shown up. Assholes abound in Arcadia Bay. I owe you. That's for sure. Is that why you came along? Are you suggesting I should need a reason to ditch school? I bet you're wondering what we're doing. The thought occurred, yeah. Well, I wanted some company. That's it? That's it. Et c'est encore, je vais m'être entouré. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Je vais dire, et c'est encore. Try again. I'm going to need more to go on than that. Joyrides with me aren't fun. Joyrides to where again? Life needs a little mystery, Chloe. Let's do something fun. Ok. De flirter? Genre je peux flirter avec elle? What the fuck? On va dire oui. Ok. I'm listening. Two truths and a lie. What? I think we should play Two Truths and a Lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, mm-hmm. and one of which is a lie. Right. And then the other person has to guess which is which. Allez, pas de soucis, on fait ça. Sounds fun. You're on. I'll start. First, I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway, to which I will one day return when my heinous exile here in Arcadia Bay comes to an end. Mm-hmm. New York, huh? I've never been. Not a world traveler? Not yet, at least. If you could travel anywhere, where would you go? Russia, Greece, Kathmandu? Kathmandu. One day, I'm going to climb Everest. And I thought moving away from Arcadia Bay was ambitious. What's your third thing? My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Mm-hmm.
Okay, so ambidextrous, born in New York, and a Leo. Gotcha. So, which is the lie? Je dirais... je dirais New York, c'est faux. You seem more like a Cali girl to me. Damn, Price, not bad. Hey! Long Beach, in fact. J'ai trouvé. Ça West plaisir. Coast is the best coast. I've only ever lived in Oregon, so nothing to compare it to, I guess. Then we'll have to change that one day, won't we? Okay, your turn, Price. First fact. Right. Something about myself. Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Mentir, vérité. Là, on va dire une vérité. La country me donne la gerbe, j'adore les sciences, je voulais devenir pirate. Je vais dire pirate, mais ça paraît tellement, enfin ça correspond tellement à Chloé, on va quand même dire pirate pour la première vérité. I used to want to be a pirate when I grew up. I kind of still do. Ensuite, on va dire une vérité encore et on va dire qu'elle adore les sciences. Ça par contre, je sais pas si elle va trouver. I love science. Seriously, I think Neil deGrasse Tyson is the shit. Ok. Et on va mentir. Je me suis cassé la main en frappant quelqu'un, je suis allergique au chat, je fais partie d'un groupe. Je me suis cassé la main en frappant quelqu'un. I once broke my hand punching Stephanie Kowalski in fifth grade. No way. Bitch took my yoo-hoo, knocked her the fuck out. I see you like to write notes to yourself. Helps me stay focused. Also, sweet scar. Mm-hmm. Alors? You're hella mysterious, Chloe Price. Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. Of course you wanted to be a pirate. Sail the open seas. Uncle Swash. Plunder secret treasure. So, pirate. Obviously true. Oui, ça lui correspond tout à fait. Franchement, ça lui correspond totalement. Tu veux être mon second? Maybe you'd like to be my first mate. Oh, are you accepting applications? Considering it. Ensuite. Okay. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. Possible. Well, sure. It's not for everyone. I get that. Anyway, school sucks, but you love science. I'm gonna say true. Elle a trouvé. Now, about this broken hand story. It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out. A bitch takes your yoo-hoo, she's gotta get got. Damn straight. But, you didn't get that scar from punching someone. No. Mm-hmm. That scar is from a distal radius fracture. Oh non, mais la meuf elle est trop OP quoi. Depuis quand t'es docteur? So you're a physician now. Last summer I performed a one-woman Doctor Who homage entitled Weeping Angel. Wait, what? The point is, I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall. Like, from a skateboard? C'est ça? Yeah. Oh, putain, elle est trop forte. I guess... 6 years ago? 7. Well, shit. I always thought I was a good liar. Elle est douée, non? So... If my math is correct, you told me 2 truths and 1 lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Tu m'impressionnes, c'est un peu flippant, tu m'impressionnes. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. Mm-hmm. When your dad is the district attorney, I guess lying is something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket, then.
Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing number of moving violations second. Hey, thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. And not everyone would admit to wanting to be a pirate. But eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot, that's all. It's not a big deal. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. En effet, c'est pas facile de faire confiance, je te fais confiance. Je vais être honnête, je vais dire c'est pas facile de faire confiance, ou alors c'est pas facile de faire confiance. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life, you'd understand. No, I get that. On the other hand, I got on this train with you, didn't I? C'est pas faux. Fair point. Ah. Wouldn't mind listening to some music. Partager avec Rachel, écouter seule. Bon, à partager avec elle. Hey, wanna listen? Ils nous disent de sortir, donc on va sortir, je pense. On n'aura pas écouté longtemps. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rachel? Un bracelet. I've had it, I guess, since I was a kid in Long Beach. Le fameux bracelet. Reminds me that there's more to experience out there than just Arcadia Bay. Maybe one day I'll go back to Long Beach, or anywhere but here. Maybe sooner than later. Le fameux bracelet de Rachel que Frank aura du coup dans Life is Strange. Alors eux quoi? Moi aussi. Me too. Arcadia Bay can suck a bag of dicks. Sometimes I feel like I've got no reason to stay. Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Check it out. We're here. On doit sauter là. Where is here? Jump and find out. On doit vraiment sauter. Jump. Allez, je saute. Fuck it. Ok, très bien. Du coup, mais où est-ce que tu nous emmènes, Rachel Amber? Oh, c'est super joli. On ne commentera pas cette marche absolument incroyable. On ne commentera pas ça, d'accord? Super joli en tout cas. Franchement, c'est super agréable à voir. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Allez, balance, vas-y. Another one. I like games. Deal with it. This is one I learned in theater class. It's all about improvisation. Jeu, théâtre et mensonge. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we've got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up.
Genre elle se vénère comme ça, Rachel. Elle a tellement pas le caractère que je pensais qu'elle avait. C'est énorme. That blows. Well, shit. Ok. How was my last quarter? You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Qu'est-ce que je dois faire, Chloé? Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. Ok, alors déjà on va juste voir au niveau des messages. Non, c'est par là, hop là. On a reçu de Mickey, ok, très bien. Alors il dit quoi, il dit quoi? Désolé pour Drew, c'est pas ta faute, mon frère est pas toujours aussi con. Juste la plupart du temps, laisse tomber. Ah d'accord, celui qui a emmerdé Nathan en fait. Du coup c'est lui Drew, ok d'accord. J'ai compris, donc c'est le frère de Mickey, ok d'accord. Bon bah c'est bon à savoir. Alors au niveau du panneau, on s'en fiche, regarde plus près. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Ouais, sauf que tu veux qu'on trouve des outils clairement où? Jumelles. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose par là. Je vais taguer la statue. Je tague la statue. Tu veux tout taguer, de toute façon, je vais taguer tout ce que tu veux. Du coup, on tague quoi? On tague quoi? On fait quoi? On va mettre une hache. Et du coup, ça donne... Don't axe, don't fell. Très bien. Très bien. Alors, par contre, du coup, c'est gentil, hein, c'est tout ça, mais il me faut des outils, moi. Il me faut des outils, où est-ce que je vais les trouver? Peut-être que je peux m'éloigner un petit peu. Je sais pas si je peux vraiment m'éloigner. Balançoire à pneus. On s'en fiche. S'en fiche aussi. Est-ce que là-bas, voilà, c'est ce que je me disais. Est-ce que eux, ils peuvent pas me filer des petits trucs? J'ai dit désolé toute la journée. J'ai dit que c'était vraiment dumb de locker les clés dans la voiture. You've been on me for 3 hours. Ah. Ah. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not. What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. Fatigue, Chloé, fatigue. J'aimerais juste récupérer les couverts, genre un couteau, un truc comme ça, non? My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. D'accord, donc eux, je pourrais rien en tirer. Wino has a classy ring to it. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are. Mm-hmm. Whatever is around you. C'est un outil que je veux, moi. Oh. Ah, attendez, panneau, non. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Ok, ici. Wow. Ouais, j'avoue que c'est mortel. J'avoue que c'est clairement mortel, mais nous on veut pas ça, on veut des outils. Où est-ce que tu vas me trouver tes outils? Ouvrir? Comment ça, ouvrir? Genre, je pouvais ouvrir de bas. Non, ok, d'accord, tu peux pas, d'accord. Ah, je peux demander à Rachel. Ah, et voilà, fallait le dire plus tôt, putain, moi je suis allé jusqu'à je sais pas où. I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? Mm-hmm. I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Ok, Victoria, qu'est-ce que tu vas me dire? Chloé Price, carbone... Okay. Elle m'a pété en plomb. Tu crois vraiment que je sais pas ce que ça fait connaître sur le tableau des éléments? Ah, mais j'ai... C'est un génie, franchement, c'est un génie, Chloé. J'ai des ennuis. Alors attends, arrête de parler. J'ai eu des ennuis, arrête. J'ai eu des ennuis à cause de ça. Tu me saoules, tu peux me laisser finir, s'il te plaît? J'ai eu des ennuis à cause de ça. Sale potassium, uranium, tellure. Tu viens de me traiter de cut. Hein? Le potassium, c'est K. Va te faire foutre, connasse, t'es morte. T'es. Ah, elle l'a. Elle l'a remarqué sur l'orthographe. T'as Chloé, elle est tellement sale avec ses punchlines, mon dieu. Elle est salée de ouf. Ok, bon, ouvrir maintenant. Mais c'était pas mal trouvé, franchement, le coup des tableaux des éléments, de faire une insulte avec ça, c'était pas mal trouvé. Damn it. It always looks so easy in the movies. I wonder if I can find something sturdier to use. Bah, le couteau que les gars ont, on peut pas l'utiliser, franchement. Peut-être la plaque commémorative dévissée, j'en étais sûr.
Ok, bah, c'est quand même Salima Ongle. T'es mignonne, Chloé, mais bon. Ok. Stealing a dedication plate takes persistence. Je peux quand même récupérer sa Salima Ongle ou... Genre, tu l'as vraiment foutu par terre sans aucun respect? Vraiment? Oh, allez. Ah. Get out of here, woodland creatures. Have some self-respect. C'est les pigeons maintenant qui vont. Super, très très bien. Effrayez les pigeons. Bye, you fools. Oh putain, les relous. Les gros relous. Bon, vous savez quoi, laissez tomber. Je vais vous laisser avec vos poubelles. Ok, très bien. Par contre, j'ai vu que j'avais un nouveau message. Est-ce que c'est encore Victoria? Non, c'est Steph cette fois-ci. Salut, alerte, Wells est d'humeur massacrante. Donc Wells, du coup, c'est le proviseur. Oh non, c'est pas une blague, j'essaie juste de t'aider. C'est ça, tu m'as tué ce matin. C'est à ça que sert le MJ, meuf. Et merci d'avoir joué avec nous, Mikey s'est éclaté. Il est cool. Du coup, j'ai dit Mikey. Non, je sais plus comment on l'appelle. Vous savez quoi, selon mon humeur, je l'appellerai Nico Mikey. Il déprime en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je sais que ça lui a fait plaisir de jouer avec toi. Et bah écoute, c'était un plaisir. Moi aussi, j'ai bien aimé, c'était rigolo. Bon, maintenant que j'ai la plaque commémorative, est-ce que je peux du coup dévisser ça? Prescott, power, activate. Toujours pas? Si, c'est bon. Ah, voilà. Tadam. Je veux pas me vanter, game over. I win. That was enough of a game for me. Your MacGyver skills are second to none. Except, probably, MacGyver. Rachel smells like... jasmine? Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. Je pense aussi. Ça aurait été une bonne idée. Here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it. I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Allez, vas-y, on fait ça. Elle, on va commencer par elle. Non, on peut pas? Non, ok. Pas elle. Et ben, on va commencer par... le marcheur. Loving this guy. What's he thinking right now? Dans l'arrêt, palais d'abeilles. I hope bees don't mistake my shorts for begonia. I've been pollinated twice this week already. Ok, on va passer eux deux. What's going on with these two? L'offrande du fils. And the Lord saith, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark. Perfect dark. Du coup, je pense qu'en fait, je peux voir la fille qui était là. Non, je peux pas en fait. Elle, je peux vraiment pas. Ok, d'accord. Bon, bah, elle, on évite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans les alentours ou pas? Par là. Ah, quelqu'un ici. Sweet beanie. What do you suppose she's thinking? Le wifi de la nature est nul. Nature's wifi sucks. Maybe there's a squirrel family around here with broadband. Pas la fibre optique, ne parlez pas de fibre. Guess their password. We love nuts 69. Dingoes ate our babies 13. Too soon. Ok. This is fun. Who's next? Oh, à gauche. Oh, bah oui, voilà. Ah, d'accord, en fait, fallait attendre, c'est ça. Sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Jackpot. Commence make-out session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn. Rachel, elle dit rien. Elle les connaît? Un lit qui vibre des prostituées. On va dire un lit qui vibre. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? C'est ça. Elle le connaît son père, non? Ou un truc comme ça? Non, je sais pas.
Hey, are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Whoa. Okay, allez. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. Bizarre cette histoire, c'est vraiment bizarre. Elle les connaissait, c'est sûr, au moins un des deux. Elle les connaissait, elle le ou elle l'a, je sais pas. Mais c'est trop bizarre. Alors elle a réagi comme ça d'un coup. C'est grave bizarre le changement de personnalité qu'elle a eu. They have a bottle of wine. C'est à ça dont elle servait la bouteille de vin. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it, I just want to take something that's not mine. All right, I'm going in. Try to keep up. Ok. C'est vraiment une thug en fait, Rachel. Rien à voir avec ce que je pensais, quoi, c'est ouf. Can we help you? Ah bah oui, elle fait du théâtre, bien entendu. L'abus, quoi, mais l'abus total. Talk about committing to a performance. Je peux la prendre? C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu! Oh là là! Oh, thank God! Please, this girl is in trouble. Go get help. Oh, j'ai la pression pour elle. Aider Rachel. Lâche l'affaire. Bah, aider Rachel. I need to get these two to focus voilà, on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Alors, pas longtemps à attendre. Qui est en train d'attendre? Stériliser la plaie. Pas longtemps à attendre. Ok, j'ai paniqué. Don't look at me. Look at Baywatch over here. Ah, I don't remember how to do CPR. Ouais. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? I still think you should go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. Ah, attendez, écoutez les gars, écoutez. Traitement médical, la regarder mourir, observer les signes d'orage. Je sais pas, c'est horrible le temps qu'on a. Red wine has recently been found to help against strokes. Hey, we're in luck. You have some red wine right here. I'll just go ahead and administer it to the patient. C'est affreux, ça met la pression de ouf. Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Rachel, run! What the hell? Mince, je crois que j'ai fail. Non! Bon, mais pourquoi c'est sa faute directement? Tout de suite. So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. J'ai paniqué, d'accord, j'ai paniqué. OK. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. Vous allez vraiment vous taper la bouteille à deux là? Clairement, putain, la vache quoi! Tu sais que t'as une descente! I'm excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Ok. Je les trouve vraiment adorables, les deux. Je trouve elles ont une relation tellement cool. Franchement, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien fait. C'est génial. Elles sont trop mignonnes. Wow. Hey, check this out. Elle, par contre, elle a une descente de fou, quoi. C'est là que ça va devenir leur cachette secrète. Chloé, elle connaissait pas cet endroit avant. D'accord, en fait, elle l'a trouvé avec Rachel, en fait. Ok.
Great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? C'est ça, c'est vraiment bizarre. Je me demande qui étaient les personnes pour elle parce que elle a tellement changé d'un coup. Faire une réflexion, la laisser tranquille. Bah moi j'irais bien faire une réflexion. Enfin, elle a l'air vraiment pas ouf, mais après, est-ce qu'elle va pas se vénère contre moi? Je ne sais pas. Je vais faire une réflexion. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Okay. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. J'aurais peut-être dû la laisser tranquille du coup. J'aurais peut-être dû. Je comprends pas. Bah elle comprend pas, je comprends pas. No. I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Bah justement, ce que je fais. Are you serious right now? Fuck. Oh, déjà tu vas te détendre. Okay. I still have no idea what's going on with Rachel, but apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. Ah, je vais te balayer, tu vas voir, ça te va. Score. Donner la batte à Rachel, c'est donner un spectacle. Donner la batte à Rachel. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Franchement, right. J'aurais dit pareil. I'm leaving. See you around, Chloe. Ouais, bah, you can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! J'ai envie de la frapper. J'ai envie de la, là, j'ai envie de la frapper. Là, j'ai envie de la frapper. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. And what is this exactly? D'accord. Qu'est-ce que je peux répondre? Qu'est-ce que j'entends par plus qu'une amitié? Genre, elle est amoureuse ou qu'est-ce que je peux répondre? Ouh là 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 là. Oh, en fait, j'ai peur qu'elle me mette un gros stop, Rachel. Puisque d'un coup, là, elle a changé de comportement. D'un coup, j'ai vraiment peur qu'elle mette un gros stop des familles. Je vais mettre plus qu'une amitié parce que c'est clairement plus qu'une amie pour elle. Après, peut-être que c'est pas forcément draguer et plus qu'une amitié dans le sens où elle la ressent vraiment comme une sœur. Enfin, je sais pas. On va voir. Oh, j'espère que j'ai fait le bon choix. Fuck. Are you actually going to make me say it? Say what? Exactly. You know, like a friendship. But more. Ah. Oh. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Est-ce que tu vas oser me mettre un stop, Rachel, ou pas? Fais gaffe à ce que tu vas faire. Say something. Fais gaffe, la vérité, fais gaffe. Chloe, I... You know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not?
Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Goodbye, Chloe. Tu vas vraiment me laisser en plan comme ça, Rachel? J'ai plus l'impression que tu t'es servi de moi qu'autre chose en fait. La vérité, prends la batte, on court, on lui enfouit une. Genre, je sais pas, tu vois, vite fait. Elle va se vénère, elle va tellement se vénère. J'en étais sûr. Elle va tout casser là. Fuck this place. Wouah. C'est ouf. Et genre, on peut commencer à frapper tout ce qu'on. D'accord, ok. Casser, d'accord, ok. On peut vraiment faire que ça en fait. Y a que les choix. Enfin, regardez, c'est ouf. C'est ouf, peu importe ce que je choisis. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. Ok. I've never understood your hard-on for cameras, Max. You took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. Ok, tu veux casser quoi d'autre? Mais écoutez, on va continuer. Attends, défoule-toi. Oh, mais c'était... C'est pas la voiture de Chloé? Enfin, en tout cas, elle y ressemble. C'est ouf. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Fuck you, David. On dirait vraiment la voiture de Chloé, c'est ouf, hein. Rachel, elle était là, non? Oh? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Dad. Ah. D'accord. J'avoue, ça c'est dur. Ça c'est pas fort. Putain, le choc était tellement violent. Waouh, mais c'est abusé. Franchement, c'est abusé. La voiture, elle est morte, c'est incroyable. Cassé ? Vraiment? Bon, c'est ce que tu veux. Wow, c'était super triste quoi, c'était horrible. Ok, bon.
Oh non, s'il te plaît, refais pas ce rêve-là, s'il te plaît. C'est affreux de lui faire vivre ça, c'est affreux. Why are you crying, sweetheart? Oh là là. Because you're not real. I'm not. What is going on? C'est horrible, sérieux. I guess I did that. Yes. Ok. Kiddo, look on the bright side, would ya? What bright side? You made a new friend today. C'est Rachel? C'est Rachel, ok. What the fuck? Ok. I don't feel drunk. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. On va la revoir, c'est ça? J'en étais sûr. What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. Et enfin. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you though. Even when they don't admit it. Non, arrêtez de faire ça, mais c'est affreux. Mais c'est horrible, putain. Les gars, quoi, non. Je suis pas d'accord. Et c'est affreux, quoi. Elle va faire, en fait, je pense qu'elle va faire le rêve continuellement au fil des épisodes. Et c'est affreux de revivre ça. C'est affreux. Lâche l'affaire, franchement Chloé, lâche l'affaire. Ça a rien, elle se fait du mal pour rien, elle se fait du mal toute seule. Rentrer à ce tour-là toute seule dans son bras, putain, mais t'as du courage, hein, parce que la vérité, moi je serais pas serein, je serais pas serein du tout. Ah, elle est toujours là, elle est à l'arbre où il y avait l'homme et la femme. Je m'en doutais qu'elle était pas partie, je m'en doutais. Ok. Ah oui, t'es pas bien non plus, toi. You came. I'm glad. T'es sûr? Moi aussi. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. Qu'est-ce que tu peux bien avoir dans la tête? Ne rien dire. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? C'est son père.
Non, je sais pas. That was my dad. Sûr. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. Aïe. The worst part is I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. Maintenant, moi, tu sais. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. C'est pour ça qu'on était là, alors. Désolé, ne rien dire. Désolé. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. Forgot that anything had changed. Mm-hmm. It's silly, but I've carried this photo around with me for years. Okay. It's from Mount Hood. Ah. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and... Réconforter Rachel, rester... Ouais, on va la réconforter, quand même. Putain, j'en étais sûr. J'étais sûr qu'il fallait pas le faire. He was just so strong, you know? I felt safe. C'est quoi, on va vraiment, vraiment être soft avec elle, parce que je vois qu'elle... Je sais pas, elle est vraiment spéciale, Rachel. Elle a un comportement particulier. Tu avais confiance en lui, personne n'est en sécurité. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, je t'en dois aussi. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense. Aha. And new and awesome, and you had the courage to tell me that you feel it too. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation. And maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. You saw that? Comment tu sais ça, les gars? Skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take any shit from them. I'd be dead if you hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan, mais t'es partout en fait, c'est ouf. You got right in his face and called him out. That was pretty sweet, actually. See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school. I guess tomorrow they'll be hell to pay. Je pense aussi, oui. My mom might skip grounding and just go straight. On n'est pas, la vérité, on n'est pas loin. On n'en est pas loin. My dad will definitely punish me with. Je suis désolé qu'il aille se faire foutre. Ouh, c'est dur parce qu'elle aime quand même son père. Je sais pas. Est-ce que je me permets de le dire? C'est pas si fallait faire ça. Dad. Fuck him. Ah, ça va, ça passe. Attends, j'ai cru qu'elle allait mettre un stop. To leave this place and never look back. What's stopping us? Us?
Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire qu'elles vont pas le faire? Je me pose la question. Can I borrow your lighter? Thank you. Tu vas quand même foutre le feu à toute la forêt là, enfin je sais. Je dis rien mais. Come on. Alors ça par contre c'était très cool. À toute la forêt. What? Me dis pas que c'est la fin de l'épisode. Je sens que c'est la fin de l'épisode. Oh là 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 là. Pose-toi. Toi, t'es alors là, je pense qu'au niveau du balécouillisme, t'es quand même pas mal, hein. T'es bien placé là, quand même, hein. What? Non, non. Oh non, pas déjà. Pas déjà. C'est affreux. On va devoir attendre 2 mois pour la suite, les amis. Oh, épisode 1, réveille-toi. Éveille-toi. Life is Strange Before the Storm, les amis, on a terminé le premier épisode. Putain, c'était fou. J'étais complètement ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, elle a pété un plomb, elle a fait cramer là, mais Rachel, elle a un pouvoir? Parce que, enfin, ça me paraît quand même, enfin, le cri qu'elle avait, puis le vent qui a... Enfin, ça faisait vraiment comme si elle avait un pouvoir surnaturel. Alors, est-ce que Max n'était pas la seule à détenir un pouvoir? Est-ce que Rachel aussi avait un don particulier? Ou alors, est-ce que c'était juste une mise en scène? Je sais pas, mais ça me paraît vraiment plus qu'un cri de douleur, ça me paraissait tellement plus...
magique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui est grave cool, ce qui est génial, c'est que du coup, je vais pouvoir vous lire dans les commentaires, puisque de toute façon, personne ne connaît ce qui va se passer dans l'épisode 2. Donc du coup, j'ai hâte de voir toutes vos théories, toutes vos idées dans les commentaires. Je les lirai avec grande, grande attention. Je suis désolé si l'épisode était beaucoup trop long, beaucoup plus long que d'habitude. Mais voilà, aujourd'hui, on est mon anniversaire. On est le 4 septembre. Et je voulais me faire plaisir. Je voulais jouer à la Life is Strange. Je voulais vraiment me faire plaisir. Et je me suis fait plaisir. J'ai kiffé vraiment. C'était énorme. J'espère que vous aussi. Si jamais, les amis, vous avez hâte de voir le deuxième épisode sur la chaîne, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Je compte sur vous. Ça aide énormément le let's play. Et c'était génial. C'était génial. Ce premier épisode était complètement ouf. J'attends les deux autres avec impatience. Et également le quatrième, puisqu'il y aura un quatrième épisode qui sera bonus. Et qui parlera de Max. Du coup, un épisode, enfin, le dernier épisode où on aura Max. J'enlève pour voir un petit peu les choix. Éveille-toi. Du coup, vous êtes partis. 38% sont partis. Et 62% ont attaqué. Ok. Vous avez été méchante avec Joyce, 39%. Ah, vous avez été gentil avec Joyce, 61%. D'accord. Donc j'ai été méchant. Vous avez défendu Nathan, 88%. Et vous avez dit à Rachel que vous étiez plus que des amis, 73%. C'est parti pour le trailer de l'épisode 2. Let's go. Oh là. No one steals from me. C'est Franck. Oh. I want my fucking money. Oh, c'est Franck. Wow, épisode 2, splendide nouveau monde. Prochain épisode bientôt, jouez en mode collectionneur et complétez vos graffitis. Et bien les amis, on s'arrête ici pour cet épisode. Putain, c'était ouf. J'espère que vous êtes chaud pour l'épisode 2 qui arrivera du coup dans 1 ou 2 mois. Je pense plutôt 2 mois. J'ai tellement d'impatience, j'ai tellement envie de savoir la suite, c'est ouf. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Très très vite pour la suite de Life is Strange Before the Storm. D'ici la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, c'était Sora. Ciao ciao tout le monde.